Pennsylvania. Famille, m'espérez être bien, être correct, être sérieux. Bienvenue dans un nouveau épisode de Faire Goûter. Dans cet épisode-là, nous vous traversons l'île, nous allons atterrir à un autre pays. Mais pour connaître qui pays nous parler, famille, nous donnons un rendez-vous. Juste après nous, c'est verrez. Dans cet épisode-là, nous allons faire des tours dans l'Australie. Nous allons découvrir l'histoire de la case maman là-bas. Nous allons avoir Girish Exim là qui vous raconte nous comment et quand notre parcours a commencé là-bas. Alors, nous allons faire des tours dans Melbourne, famille. Laisse-moi raconter d'un petit peu comment la case maman a commencé. Donc, la case maman a commencé en 2011. C'est là que je suis enceinte, avec nos deuxièmes enfants. C'est vraiment moi qui l'ai vécu et l'envie. Elle a l'envie de manger briani. Faut l'envie de manger briani. Comment tout ben maman, ben enfants qui allaient étudier déo, tous les années, quand je viens de Maurice, mon maman, tu fais retourner moi avec mon ben Timine Apollo, Dité, Achor. Mais aussi tout le temps, tu fais le moins de paquet 12 épices lazette. Et mon maman, tu apprends à faire ce briani avec sa épices-là, et c'est sa briani-là qui vient faire nous manger. Ça jour-là, l'envie faux. Je dis, je vais un coup que ça gagne sa épices-là dans Melbourne. Et dans mon guetin, je trouve seulement deux magasins qui vendent produits mauriciens à Melbourne. Un trouve demi-temps et puis avec moi, un l'autre trouve un temps et demi. Je prends le tour dans le premier magasin, Penanoni. Prends le tour, moi, le deuxième magasin, et net et demi, Penanoni. Et c'est là qu'ils ne m'ont pas réussi à satisfaire mon envie, mais c'est là qu'ils sont là avec moi, nous réaliser qu'il y a pas venu beaucoup de Mauriciens comme nous, qui viennent ici, à Melbourne ou en Australie, et qui n'ont pas gagné manger, qui ont bérodé depuis Maurice. Et c'est là qu'ils nous disent, ben, laisse-nous essayer un coup ce business-là. Nous amène quatre palettes. Un ban produit mix, hein, tout ban Minapolo, ban Achat, etc. Et ça, deux premiers clients, là, ils t'en auront que deux, ben là, ramasse tous les quatre palettes.
Et c'est là qu'ils nous réalisaient que très probablement nous sommes capables de faire business avec ça et qu'il y a des points de business qui pour aligner beaucoup avec nos passions parce que nous avons beaucoup d'amour hein, pour nos pays natals. Donc c'est ça un petit peu comment nous commençons ce business. Merci Guy Rich et Simla pour sa jolie introduction au La Case Mamala. Là, nous pouvons montrer tout le monde téléspectateurs comment dalle pourri, comment boulet faire ici. Pour ça, nous allons découvrir l'opération La Case Mamala dans ce lycée. Bienvenue parmi nous. La famille, nous avec M. Dan Ramjaten, le directeur de Shreya Food Mauritius. M. Dan, bonjour. Bonjour Kevin, et bonjour la famille. Merci. Toute la famille de faire goûter. Et merci, on accueille nous côté dans sa lisine qui fait manger là. Non, nous accueillons nous dans la case maman. Nous, exact, exact. Nous dans la case maman. M. Dan, nous écoutons Guy Rich. Nous écoutons Guy Rich. Ça fait plaisir pour connaître un petit peu le qui fait la case maman exister. Mais là, on a envie de demander justement l'opération la case maman. Comment ça a passé? Bon, directement, quand nous causons l'opération, nous causons l'opération de Shreya Food Industries qui est en deux volets. Il y a un le volet farine, qui nous appelle flour base, et il y en a un autre volet qui appelle le volet choco, donc c'est ça chouchou. Mm-hmm. Donc, les deux volets, donc, nous avons le côté chouchou qui nous servit pour faire boulettes. Tout nous avons une variété de boulettes, nous avons en principe 5-6 variétés. Et l'autre côté, quand nous causons flour base, c'est dal pourri, farata. Et nous avons un troisième volet maintenant, une féculence nous là-dedans, c'est le côté gâteau piment. Un produit qui est très prisé en Australie, donc nous finissons spécialisés nous là-dedans. Mm-hmm. Et notre spécialité là, à aujourd'hui, c'est les boulettes, les différentes variétés de boulettes, somaï, et le dalpourri mauricien, et le farata maison. Mm. Donc on peut trouver que tout ce qu'il nous fait ici, c'est handmade, qui ben, du monde peut travailler avec, et il a sa touche, ça, ben, les doigts, grand-mère, quand tu peux faire, nous, ben, farata, surtout dalpourri. Justement, M. Dan, quand nous causons ou man spécialité, on dit boulettes. Et que mon gain l'occasion gain man pas enfin et trouver aussi c'est man se souffrir. Explique-nous un peu. Alors tout commence très tôt le matin. Normalement moi dans le champ que cultive nous ban chouchou nous on a un planteur qui dédié toute sa production à la case maman Shreya Food ici. À peu près 8 à 10 arbres terrain qui est gardé pour nous. Donc, nous n'avons aucun souci d'être en mesure de rupture de stock de chouchou. Donc, moi, le matin, après chaque batch de qui m'a fini servi, alors moi là-bas, moi, j'ai un petit peu qui a été chouchou, nous peut gagner. Donc, de visu sur place pour nous gagner les meilleurs chouchous qu'il y a. Directement vers le premium quality, le chouchou même. Quand vous guettez, vous trouvez qu'il vous met une premium quality et le produit qui est fait avec ça, il a un autre goût, il a une autre texture, il a une autre taste. Donc, le matin, nous allons guetter un coup, nous faisons nos récoltes chouchou, nous finissons de laver tout là-bas. Sorti là-bas, il vient dans l'emplacement que nous faisons sur épluchage. Quand nous finissons d'éplucher, là, je fais ce nettoyage même maintenant. Tu as tout ce qui est bien tiré, ce qui est bon, c'est que. Quand nous payons nos chouchous ici, dans Shreya Food, c'est un chouchou qui n'a pas besoin d'être un gramme d'épilateur. Il est tellement bien nettoyé, il est bien, bien coupé. Donc, moi, je vais prendre mon mené. Je commence le process de comment se crase ce chouchou-là, shred-le,
nous avons ce que nous appelons le spinning, quand nous enlevons tout ce de l'eau qui vient enlever. Après ça, là, nous faisons ce bon mélange avec tout bon différents ingrédients. D'ailleurs, nous avons trouvé qui contient des ingrédients nous servir dans une boulette. Nous comprenons aujourd'hui que le chouchou, lui-même, il a une autre valeur nutritive incroyable. Donc, dans tout nos bon packaging qui nous a d'ailleurs pour nos bonnes boulettes, il nous donne tout ce bon bienfait là-dedans. Et surtout les bienfaits pour les dames qui enceintes. Nous ne connaissons pas que chouchou a autant de bienfaits pour les madame qui enceinte. Et nous avons l'autre volet qui nous dit de flower base. Donc là, quand nous faisons nos farata, nos dalles pourries, ça aussi, nous avons envie de faire du monde comprendre que dalles pourries, ce n'est pas un street food only. Alors donc, nous avons envie d'amener ce concept. Faire dalle pourrie vienne un dinner food. Mm-hmm. Et nous connaissons beaucoup de monde sorti travail, pas gagner le temps, pour manger, pas gagner le temps, non. Et donc, je peux pas venir passer dans n'importe qui supermarché aujourd'hui, il prend des paquets dalle pourrie, un paquet dalle pourrie, bien un paquet farata, il permet la case. Mm-hmm. Et façon qu'il nous mette dans ce packaging, ouais. Je suis capable d'enlever. Mm-hmm. Donc, il mange un seul PL, il sépare, pas un séparateur, il enlève, il met ça dans ce micro-ondes pour 15 à 20 secondes, un peu. Et si nous avons un petit peu crispy, il prend un petit poêlon, il souffle un poêlon, il passe pour 5-5 secondes dans le poêlon. Enough. Il peut finir de gagner ce manger. Mm-hmm. Il prend un petit takeaway, un petit curry quelque part. Mm-hmm. Donc, il est OK. Prends des pieds, faire ce loya, faire ce feeling, faire ce bello, faire ce tawa. Mm-hmm. Et faire même ce parking, tout se fait manuellement. Ouais. Donc, on connaît qui. Ou peut mettre tout la main là-dedans, ou envie de donner tout ce que la main est capable de donner pour faire les vignes bon. Pour gagner un goût. Goût. Alors, ça, c'est produit de la case maman. Et les affaires qui m'impressionnent, moi, ici, comme on vient, on balade un petit peu dans les vignes partout, sourire, tout ça, mon staff qui travaille ici. Ah, c'est beaucoup plus peut-être relation humaine qui nous est avec Bandimoun ici. Mm-hmm. Ok, premièrement, nous ne sommes recrutés Bandimoun qui reste dans l'endroit, puis près, qui nous capable avec l'entreprise. Et deuxième, nous faisons là comprendre que la case maman, ce n'est pas une compagnie qui appartient à Girish ou bien à Dan. Je comprends que la case maman, ça c'est pour eux. Oh, donc, je donne Koyam pour la case maman. Mm-hmm. C'était ma famille, nous avons Madame Lina qui est là pour dire la case maman. Madame, bonjour. Bonjour. Rappelle-moi votre nom. Madame Lina. Lina, ok. Combien de temps on travaille ici? Et au fait, moi, je travaille depuis longtemps. D'accord. Oui. Et depuis commencement? Oui, depuis commencement, oui. Mais dis-nous, justement, qui fait au compte en travail là? Ici, nous bénéficions beaucoup de ceux. C'est-à-dire, dans le week-end, nous ne travaillons pas, que nous restons avec ma famille, que nous en forme, monsieur. Nous avons beaucoup de ceux pour nous faire. D'accord. Oui. Ça veut dire, ça veut dire, au week-end? Ça, c'est pour nous. C'est pour ceux? Oui. Ok. Oui. Pas qu'à ce travail, non? Non. Je reviens de travail lundi, oui. À vendredi. À vendredi. D'accord. Oui. Madame, vous avez une grande équipe. Comment on va l'arriver? Et vous présentez Mlle Michaela, Madame Winnie, et vous présentez Madame Tina, d'accord. Madame Cholène. D'accord. Et c'est ça l'équipe-là même qui prépare sa main bon dalle pourri, oui. Et farata la case, maman. Mm-hmm. Et Madame Lina, à tout mon client qui pègue, tous les téléspectateurs, Maurice, Australie et entier le monde, qui parle goût dalle pourri la case, maman, qui veut dans vous dire ça? Et mon père Rachel, qui m'a fait meilleure qualité dalle pourri. Et nous avons plus beaucoup de clients pour commander, nous capables d'arriver plus devant pour compagnie. Et mon père Rachel, venez la case, maman, venez goût dalle pourri. C'est une meilleure dalle pourri qui est là. Merci beaucoup à Madame Lina. Mais justement, Girish, nous avons envie de connaître, mais qui faire? Je peux faire tout ce que je peux faire là, Maurice, Australie, pour continuer produire sa main de manger là. Mais dis-nous qui faire, Girish. Donc, la raison qui fait nous faire ça, c'est principalement parce que nous avons envie de promouvoir nos cultures, promouvoir nos pays dans sa terre qui appelle l'Australie. Ça va un produit qui nous peut faire à Maurice. Là, ce qu'ils ont trouvé derrière nous, c'est nos cafés. Donc, ce café-là, ils trouvent dans une place qui s'appelle Dandenong Market. Dandenong Market, ils trouvent dans une municipalité côte il y a beaucoup, beaucoup de Mauriciens. Donc là, nous dans nos cafés, il y a des Mauriciens, tous les
tous les mardis, vendredis, samedi, dimanche, vini. Là, je demande, ça va une dalle pourrie qui sort de Maurice là, je demande, ça va une boulette qui sort de Maurice là. Je teste tous les bons produits depuis ici. Donc, tous les bons produits, produits alimentaires, hein, c'est-à-dire ce dité, ce achat, tout ce bon affaire là, je suis available ici. Et aussi, en même temps, ce que nous réussissons à faire, c'est aujourd'hui, nous réussissons à amener nos bons produits mauriciens dans plus de 80 points de vente en Australie. Donc à Melbourne, nous avons environ 50 points de vente, nous avons environ 15 dans Sydney, environ 15 dans Perth. Donc pour nous, c'est vraiment un récit, pas ce qui nous peut faire, amène Saban Manzella à beaucoup plus de ban mauriciens et à ban non-mauriciens en Australie. Quand nous vivons en Australie, nous réalisons qu'il y a une religion, une division ici, c'est tout haine. Et surtout depuis que nous venons le café, nous sommes capables de trouver ça beaucoup. Tout le monde vient nous manger, nous causer. C'est un plaisir pour guetter nous faire une différence entre communautés ici. C'est avant tout nous Mauriciens, nous tous nous Mauriciens, nous persistons à manger parce que nous sommes Mauriciens. Allez, Modesta, continue de causer là-bas. La Guiriche, nous nous allons causer là nous pour goûter. Monsieur Dan, vous trouvez Nuna. Une variété mangée devant nous. Alors là, nous avons les différentes variétés de boulettes. Oui. Ouais, boulettes chevrettes, poulet, végétarien. Moi, il y a même une boulette qui est spécialisée, c'est une nouveauté sur le marché. C'est une boulette au poisson salé, c'est ce qu'on appelle poisson snook. Aujourd'hui, vraiment, il y a une demande extra pour ça. Mm-hmm. Et nous avons souvent le somaï. En principe, tout ce qu'il y a en version boulette, nous l'avons en version somaï. Ok, d'accord. Donc, mais tout là, il se mange beaucoup. Mm-hmm. Nous avons le dalpourri la case maman. Nous avons le farata la case maman. Et nous avons le gâteau piment la case maman. D'accord. Donc, et ce gâteau piment, comment il était là et comment il était dans ce packaging que nous voyons. Et donc là, fais-moi vite toi, fais-toi. Vous déguster. Vous déguster. Nous avons le gâteau piment. Croustillant. Exactement. Et surtout famine, dans le papa qui est là-dedans, ce piment important. Important. Sinon, tu peux appeler les gars de piment. Ce lac et soignon. Ouais. Donc, voilà, je trouve tout bien garni. Pas hésiter pour mettre un ingrédient. Ah, c'est ce que nous faisons parce que nous avons envie de maintenir une qualité propre à la case maman. Le produit ici, nous avons envie d'être exclusif de ce que Shreya Food produit pour la case maman. Moi, pour commencer avec ce qu'on dit, pour faire frire dans Maurice, une boulette poisson salé. Moi, vous êtes à vous qui n'ont pas envie de mélanger avec aucun sauce. D'ailleurs, on prépare une sauce pour nous goûter. Mais moi, j'ai envie de goûter comme ça même avant. Impressionnant ça, vous voulez dire? Bon, gars, ça goûte poisson salé. Poisson salé Il paraît, comment dire, un poisson salé fumé. Poisson salé pas marqué là, donc, quand même. Longtemps, poisson salé, tu es considéré, comment dire, le manger du pauvre. Mais je me dis, on mange un petit bouillon avec un petit poisson salé, c'est un petit camp mangé. Mais il y a une délicatesse. Mais aujourd'hui, il y a une délicatesse quand on goûte au prix par rapport à. Ce qui peut manger comme poisson frais. Je veux dire pour nous, voilà, c'est pas poisson frais qu'on mange poisson salé. Super. Il est vraiment haut classe. Moi, je vous conseille pour expérience ce qui m'a fait goûter en ce moment. Vous êtes capable de venir à Michel Dan pour acheter? Ah oui! Pas ici, si. Oui. Vous êtes capable. Au fait, le produit aujourd'hui est présent dans toutes les grandes surfaces de l'île. Dans tout bon grand supermarché, même dans le supermarché de la bande supérette, il est présent là-bas. Maman, oui. Mais si jamais, vous n'avez pas pu gagner dans le bande supermarché, vous êtes capable de venir contre nous ici, nous situer à Crépip, André Martial plus précisément. Vous êtes dans le numéro de contact, vous êtes capable de venir prendre ici directement quand vous êtes en ligne. Mais là, façon qu'il me trouve, tout ça, man. Famille là, travail dans la case maman, mon envie goûte ça dans le pourri là. Ah, ça fait plaisir parce que
c'est ça notre spécialité. Et que la famille m'a pris un dalpourri qui peine à n'aigner, un dalpourri tout qui peine à carri, parce que maman tu as envie goûte tout ce saveur qui est là-dedans. Hein? D'ailleurs, premier bousset qu'il nous a envoyé, nous avons une bonne quantité d'al dans la bouche. Et que mon besoin des autres, qui m'ont prend un là, m'ont pas prend une paire. Si nous prenons une paire, je te car qu'on prend les PC, ça peut être là. Dalle pas mal, ok, monsieur là. Ah, effectivement. Parce que, comme on me dit, auparavant, on va rester en fin d'année, mais le corps c'est le dalle pourri que nous a à Maurice, avec beaucoup plus de dalle que de farine. Si man dimon envie, vina c'était ça ici, je te capable. Je te capable. Nous nous trouvons à Engrais Martial, donc si vous demandez pour qui du monde côté l'école la Pérouse, l'école gouvernement de la Pérouse était, ben nous isolons ça T. L'école la Pérouse se trouve dans un one way, et donc nous isolons ça T là, il y a une main road avec ça T là, nous isolons ça T là. Et il y a comme un bistrot aussi, tout du monde, tout du monde connaît. Côte l'école la Pérouse était et surtout qu'on écoute la case. D'accord. Et combien l'était pour nous un pack d'al pourri? Combien il y en a là-dedans? Alors, normalement, nous avons 5 paires là-dedans. 5 paires. Donc, si il y a quelqu'un qui peut venir là, puis on prend ça comme l'était, donc nous pouvons vendre ça là avec le minimum qui nous capable de vendre avec les gens, sont là comme l'était, il y a 100 roupies le pack. 5 paires, oui. 5 paires. Mais sinon, si tu viens dans sa boîte là, comme ça, parce que la boîte est dans son valeur chose, lui 115 roupies la boîte. Si tu as envie de passer une commande, nous venez, M. Dan, ou qu'on prépare 100 paires d'al pourri pour moi, 200, 300, parce que je suis un short arrive, vous avez 1000 paires d'al pourri, ça aussi vous faire. Ça aussi nous faire. Ok, le qui numéro de téléphone nous vous a téléphoné? Quand tu téléphones le 5-4-2-2-5-8-6-7, le 5-4-2-2-5-8-6-7 ou bien le 5-2-5-7-7-0-5-3. C'est moi en personne qui vous prend l'appel. D'accord. Et moi qui pour vous direct à l'entreprise. D'accord. Merci beaucoup, M. Dan, pour tout ça. Explication qui nous donne le vraiment pour aujourd'hui. Et mon besoin de dire que c'est mon manger, c'est mon goût exceptionnel. Je suis vraiment émerveillé. Pour venir ici. Moi, vous êtes merci allez, beaucoup. Moi aussi, merci beaucoup. Plaisir. Kevin, et mon bien content, mon recevoir vous. Donc, nous allons en Australie encore, famille. Nous allons être guérisés qui veut manger là-bas. Là, beaucoup good and dal pourri qui nous sortit Maurice. C'est une madame là, une fère, avec beaucoup d'amour. Et laisse-moi vous dire comment me donner un feedback. Donc, Angine prépare ça pour moi là. Et il met ça. Je m'en ai fait, hein, comme manger dans Maurice même. Donc laisse-moi goûter 5, comment l'histoire qu'on est qui s'est donné. Là il a... Allez. Cheers. Tamar. Marie bon. Non mais on rentre pour lui là. Moi je commence à manger, je ferme le zinc. Moi là pour lui. Je prends encore un. Fond du cœur, la case maman en vie d'Yazot. Merci famille. 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 Aïe la famille, nous la ventir peut terminer aujourd'hui. J'espère qu'ils ont apprécié sa jolie balade qu'ils ont fait dans Melbourne, Australie et Maurice là. Et pas oublier, continuez de suivre nous sur toutes nos plateformes digitales. Et si vous avez raté l'émission, famille, pas qu'à sa tête, vous êtes capable de retirer l'émission sur toute sa bonne chaîne là ici. Et aussi, nous vous remercions tous nos sponsors, nous avons la case maman, Piment des îles, Camouette Advertising, Illustrer Photosport, Orc Image Production. C'est ce, monsieur Dieu, bon appétit si tu fais pas sa table. Je vous donne rendez-vous semaine prochaine, même l'air, même scène, pour un nouveau épisode qui appelle Faire goûter. Faire goûter. Faire goûter. Faire goûter de mon camouette. Faire goûter.
Fais écouter, fais écouter de mon camouette, fais écouter, fais écouter.